Bon voilà, troisième et dernière partie. Donc du coup voilà, j'ai fait un trou dans la canalisation. Déjà là, sur cette partie là, de là, à peu près, allez, on va dire 1 mètre, 1,50 m, on a la canalisation qui est à contre-pente. Et après, de là jusqu'à là-bas, jusqu'à mon point de repère, en fait toute la canalisation est écrasée, avec quelques casses. Et du coup, avec ma caméra, bon, on est un peu limité, mais on arrive à faire des choses quand même. Là, je suis arrivé ici. Voilà, le tube arrive ici, enfin ma caméra arrive ici, voilà, on est à peu près entre 25 et 30 mètres. Il n'y a pas d'épandage, il n'y a rien, c'est directement le tube de la fosse, qui le rejet qui vient directement ici, et pour moi, ça doit continuer, et ça doit aller, parce que comme il y a un peu de racines en bouche, la canalisation doit sortir à peu près, je pense, à ce niveau-là. Soit à gauche, soit à droite, soit à ce niveau ici, là, ou ici, parce que comme il y a des petits creux. Donc voilà, et je pense même que ce soit, on va dire, ici. Parce que là, je vois qu'il y a une petite descente comme une rigole. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas d'épandage. Il n'y a pas de regard, il n'y a rien. Voilà, donc l'épandage sera à refaire entièrement de la fosse, reprendre la canalisation de sortie. Et canalisation de sortie. Petite photo, tac. Et entre ici, la sortie de fosse, refaire le tube de rejet, mettre un épandage, et après ils pourront se rejeter dans le fossé. Voilà, c'est bon pour cette intervention. Je vous laisse. À tout à l'heure. Ciao.